Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce let's play sur Gears of War 5. Alors ce let's play je l'avais prévu il y a pas longtemps, d'ailleurs je l'ai mis sur mon Twitter, le tweet s'affiche maintenant. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ce let's play. Début de base je voulais le faire en live, mais vu tous les problèmes techniques que j'ai eu, j'ai été obligé de le faire en off. Donc là ça va être ma première vidéo facecam avec vous. Bonsoir, comment allez-vous? Ça fait très bizarre, hein. Je vous le dis direct, ça fait très bizarre de parler juste à un objectif. Cet objectif te regarde. Je vous regarde. C'est très 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 perturbant en fait. C'est très perturbant comme effet. Enfin bon. Donc on est parti pour le let's play. Donc je vous préviens d'avance, c'est une vidéo, donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo elle-même, c'est une vidéo qui va être assez longue, peut-être, je sais pas, peut-être entre 30 minutes et 45 minutes, je sais pas encore. Mais je pense que je vais faire des épisodes assez longs. Tout simplement parce que il n'y aura pas beaucoup de montage, vu que je vais essayer de laisser en grande partie le jeu respirer. Donc vous allez avoir toutes les scènes de cinématique, quelquefois mes commentaires, ça peut être sympa. Bon, on va pas perdre plus de temps, je vous laisse avec la vidéo, passez un agréable moment sur celle-ci, et puis on se retrouve en fin de vidéo. Allez, au revoir. Donc voilà, on se retrouve. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas beaucoup de montage, ça va être principalement ma tête. Vous allez me voir, ça va être marrant. Et puis on est parti, je vais essayer d'avancer. Je vais couper ma tête, enfin je vais vous laisser les cinématiques Hey, en waouh! entière. C'est la CGU! Bienvenue! Maintenant, il est tiré aussi, je vais essayer de vous les laisser. Allez, viens, Boyd. Il C'est est pas plein de gentil. terre! Ils ont quand même des gros poissons chez eux. J'irai pas le manger perso, mais. Hey, les CGU! Sentez-moi ça! Ça pue presque autant que vous! C'est pas très drôle. Ouais, comme ta femme. Oh. À mort les fascistes, à mort! À mort les fascistes. J'ai eu les fascistes. Pardon? D'accord, oui, parce que comme je vous rappelle, le rayon de l'aube a rasé toute une ville où il y avait des civils, quoi. Donc là, la CGU, qui est le gouvernement, en fait, ils sont pas très copains avec nous, quoi. Enfin, les civils sont plus trop copains avec nous. Ce qui se comprend, hein, on a rasé une ville. Donc, Bonsoir. Oh, bon, tu veux pas me parler, toi, je sens. Ok, d'accord. Bonne ambiance. Arrête par de où lui qu'on doit porter aller son par là? eau. Pourquoi Norsco et Lena sont partis, à ton avis? Parce qu'ils sont lâches. Ok, c'est bon. Tu me saoules. Oh, merde. C'est vraiment la bonne ambiance dans ce village ou c'est comment? Jiren a rejoint la CGU. Vous n'avez vraiment plus rien? Si vous pouvez attendre. CGU. Ouais, la CGU, c'est vraiment l'enfer, quoi. Oui, près de bonjour. La ferme thermique. D'accord. C'est magnifique. Vous êtes okay, magnifique derrière passez. Le soleil. Hein. Parfait. D'accord, générateur, tout ça. Le petit poste à l'accueil. Pas l'air trop copain-copain avec nous. Hein. Je me trompe. Allez, je vais vous faire passer. La ferme est en bas de la colline. Vous pouvez pas la rater. Alors c'est quand même très beau. Alors je me suis toujours demandé à quoi pouvait, enfin à qui avaient pu appartenir ces énormes structures osseuses. Et après je me suis dit, si ça se trouve c'est le ver, un grand ver de terre géant qu'on a buté dans Gears of War 2. Et je me demande si c'est pas celui-là. Ça va. Ah d'accord, d'accord. Comment je vais réparer ça? C'est moitié dangereux chez vous les gars. Hein. Comment qu'on fait pour accéder là, là? Ça fait mal. Ah, ça fait un peu mal là. D'accord, on passe par là, je suppose. D'accord, ça c'est pour Jack. Jack qui est le petit robot qu'on peut améliorer avec des composants.
Et c'est même posant, on les trouve un peu partout sur le danger en fait. Ouais, donc en fait, il me semble que ça se passe 4 mois après les événements de l'acte 1, donc qui sont déroulés lorsque le rayon de l'aube a éclaté la ville. Donc ça se passe 4 mois, il me semble. Après. Donc là, tout le monde est bien vénère. Mais on peut pas passer par là en fait. Ah, attends. Vous croyez que Jack il peut s'occuper? Oui. À vrai dire, je peux pas trop passer là, non? Ah bah si. Les fascistes, ça fait très mal au cœur, d'accord? Oh, c'est quoi ça? Un faux lenzor en bois. Réplique de lenzor en bois, le niveau de détail est assez poussé. Oui, j'avoue. Et je le vole. C'était un enfant, mais je le vole. Là, c'est juste, c'est les pires, tu vois. Ah, un nouveau composant. Composant, qu'est-ce qu'on a là? D'accord, ça doit être... Ok, c'est des petites affiches, par-ci, par-là. Je parie que la CGU faut qu'on fasse tout le boulot à la place de leur bon à rien de pote. C'est à cause d'eux que mon père a quitté la CGU à l'époque. Il n'avait pas confiance. C'est un juste retour des choses, dans un sens. Ils vivent grâce à l'IA, ils crèvent à cause de l'IA. Eh ben, on verra si c'est un juste retour des choses qu'on était pas. Ouais, parce que du coup, les robots, il y en a plein qui sont remis en question, parce que lorsque la ville a été attaquée par les locustes, ce qui explique pourquoi ils ont utilisé le rayon de l'aube d'ailleurs, bah les bots, enfin les robots ont quasiment rien foutu, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le... Oh, c'est un cheval rhinocéros, c'est extraordinairement moche. Nom de Dieu. Oh merde! Putain de merde! D'accord. Sale garce de Lena! Cette salope s'est tirée avec notre seule pièce de valeur. Elle avait ses raisons. Freddy et Norsco aussi. Donc en fait, maintenant il y a encore des camps de paria. Enfin, il y en avait déjà dans Gears of War 4. Mais là, ça doit être un camp de paria, à mon avis. Encore un autre. Donc ça montre un peu les dégâts qu'a provoqué le. La trahison de la CGU, quoi, avec tout le rayon de l'aube. Mais c'est pas de notre faute, hein. Bonjour. Donc ça, on rappelle, c'était le grand méchant de Gears of War 4. Qui avait capturé sa mère et qui a voulu en faire une nouvelle reine. Hey, ça va? Ouais. Ouais. On doit rejoindre la ferme thermique. D'accord. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, sa grand-mère à elle, là, c'était l'ancienne reine des locustes, quoi. Et donc sa mère, elle a été capturée par un méchant, là, un gros locuste de la mort. Et qui... Sa mère, ils ont voulu en faire une nouvelle reine. Et elle, bah, elle a encore des cauchemars en mode, si ça se trouve, c'est peut-être pas la nouvelle reine, bah, elle est perturbée, quoi, tout simplement. Et donc là, elle cherche tout simplement à comprendre ce qui lui arrive, et elle sait pas que sa grand-mère, c'était la reine. Apparemment. Personne lui a dit encore, peut-être le temps, d'ailleurs. J'imagine que le ver géant a fait le plus gros du boulot. Ah voilà, bah, c'est le ver géant, je me rappelle bien. Vous imaginez la taille du ver, mon gars. Mais c'est vrai qu'il était très gros, hein. Il avait carrément... Bah, oui, il avait englouti une ville entière, donc bon. Et on avait réussi à le buter en détruisant son cœur de l'intérieur. Ouais, c'était dans Gears of War 2, il me semble. Les effets de lumière sont pas dégueulasses, quand même. Hein. Je tiens à préciser. Donc pourquoi on revient ici, par contre? Ça, on n'en sait strictement rien. Eh, on cherche le chef, un vieux crouton qui sent la bière. Vous l'avez vu? Kate. T'entends?
J'ai vu défiler un paquet de membres de la CGU. Je ne pensais pas qu'ils t'enverraient, toi. Ils ont dû penser que tu m'écouterais. T'en penses quoi, toi? Je pense qu'il faudrait revoir la décoration. C'est censé les tenir à distance. Et ça fonctionne bien? Bon, pas terrible. Je suis content de te revoir, Kate. Moi aussi, Oscar. Prépare tes affaires, on s'en va. Jamais. Écoute, on a convaincu les autres villages de s'enrôler. Vous êtes les derniers qui restent. CGU, étrangers, peu importe. Il est temps de combattre ces choses ensemble. Non. Il est temps d'achever cette conversation. Désolé, les jeunes. Je vous raccompagne pas. Oscar! Ma mère est morte parce qu'elle croyait qu'on pouvait s'en sortir seul. Alors vas-y, tourne-nous le dos! Mais si tu fais ça, je reviendrai. Et cette fois, ce sera pour vous enterrer, toi et tous ceux qui vivent derrière ces murs. Et je pense que tu le sais bien. Ah. Merde! Est-ce qu'ils attaquent souvent? En ce moment, tous les jours. Ils font ça tous les jours? Non, pas ça! Venez! Ok, là c'est la merde, c'est les locustes qui attaquent. Oh, ils sont énervés. En attendant, utilisez des couteaux, bon point, n'importe quoi. Ils ont franchi le mur inférieur, filez-moi un coup de main. Ok. Aïe. Je chasse. Ne le laissez pas gagner. Oh. Ça c'est fait, on la tronche. Un petit doliprane et ça passe. Allez hop, aïe 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 aïe. Je vais mourir. À l'aide, merci, yes, au revoir. Hop, bisous. C'est ça que j'aime. Attendez, je vais prendre ça quand même. Raté. Allez hop, au revoir. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, des Volta, quoi, c'est pas mal. J'avais pas... Il n'y a pas d'autres missions, par là. Attends, Volta. Attends, il y avait que ça. Oh, l'arnaque. Allez, bisous. Oh, oh, ça fait péter mon gars. Ah. Allez hop. On les a tous eus, tonton. Alors ouvrons la porte. Il arrive. Ouais. Oh bah ça mon pote. Tu n'as pas volé. Pisse quoi, le mec il m'a mis une tête directe. Faut que je déconne. Avant qu'on en perde d'autres. Oscar, tu dois venir avec nous. Ton peuple mérite pas ça. J'ai pas l'impression qu'il est très déterminé à venir avec nous. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Prenez cet électropiège. Ok, c'est bon ici. Nouvelle capacité découverte électropiège. Oh, pour Jack. Ouais. C'est quoi, tu m'as dit? Émet un flash. Ah, bon. Des munitions. Oh, bien ça. Ah, bah voilà, bah, tout de suite. Bah ouais, mais vous. Précisez pas aussi. Je peux pas prendre l'autre arme, sérieux. Hop. Destructeur, bam. Hop. Bon, on a tout. Hein. Y'a pas d'autres mines.
Ah bah si. Bah vous dites pas ou si, attendez. Piégez-moi. Je peux pas deviner, moi. Voilà. Ok, tu vas mettre un piège juste ici, moi. Jack, vas-y. Ah oui, d'accord, dès qu'ils vont venir... Ah ouais, ça va être drôle. Ah oui. C'est trop bien. C'est très fort, hein. Vraiment. Attention les jeunes, d'autres vermines approchent. Encore une fois, on les bute. Non, ça c'est des gentils, ça. Encore une victime. Là, il y a du monde, là, il y a du monde. Attention. Oh, bordel. Merci. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est bon. Allez, c'est bon. Ah, non, 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 non. Ça pue, ça pue. Non, putain de merde. On perd. À terre, y'a un estropier. Détruisez-le avant qu'il tue quelqu'un d'autre. Oh, 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 oh. Oh, ça pue, ça. Ah, d'accord, pardon, je l'avais pas vu du tout, lui. Attends, mais regarde, c'est quoi, rien. Ah, une grenade comme ça, boum. Ça n'a pas du tout marché. Essayez de le contourner. Ouais, allez. Ah, oh, c'est chiant, ces trucs-là. Aïe aïe. Ça y est, estropié à la tue. On s'en reposera plus tard, il faut qu'on en fasse. Ok, finisse. Ça va, c'était un petit boss sympa, gentil, mignon. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, petite vermine là. Ah, ça, ça fait mal, ça, ça, ça fait mal. S'il vous plaît. Alors, attends mon pote, je vais te défoncer ta race. Je vais te rush. Je crois qu'on les a tous eu. Allez hop, bisous. Tonton, vous verrez un message quand vous serez en enfer. Mais pas sûr. D'accord. Que ça suffise. Voilà. Il faudra des mois pour qu'on se remette de tout ça. Ouais, et ben raison de plus pour venir avec nous. Le village n'est pas Allez. Jack, électro. Ah d'accord. Merci. Ah d'accord, ça permet de régénérer les... Oh, bah. C'est vachement pratique, hein, quand même. La technologie, ça va trop vite. Hein. Ah tiens. Oh, oh, oh. J'arrive, hein. J'arrive, je suis là. Ça, c'est trop fort, ça, par contre. Ça. Ça, c'est pour moi. J'arrive, hein, les gars. Vous inquiétez pas, je fais mon petit marché, je reviens. Promis, promis, j'arrive. Ok. Boltoc, pas besoin. Je fais vraiment mon marché, moi, je suis pire gars. drop shop, c'est pas intéressant. Ça va derrière. Ah, il y a des pleins de caisses de munitions. C'est trop bien. Allez, j'arrive. Attention! Ils ont coincé un groupe, chef! Prête l'atelier! On doit les aider! Hop, regardez, regardez! Ah, il est mort! Putain, ils sont en moitié chiants! Pardon, mais il meurt en fait, sinon.
Ok, on progresse. Monte ta tête. Allez, on va taper de tête maintenant. On croyait aller où comme ça là? Oh là 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 là, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Je lance une grenade. Et hop. Ça dégage, comme ça c'est fait. Ça pue bien quand même, hein. Ça pue, ça pue. On est là, qu'est-ce qu'il vous faut? On a un Silverback, mais le seul capable de le piloter a été capturé. Bon, le matic. Non. Bon, alors là, comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi. On peut passer par là. Je crois qu'il y a du monde qui arrive là, non? Garage sécurisé. Mort. Allez, allez, allez. On est là. Comment on peut vous aider? Aidez-nous à les repousser. Ok. Oh là là. Hop. Ah, bonsoir. Comment allez-vous? Mais casse-toi, non! Aïe, je vais mourir, ouais. Mais ouais, merci le robot de m'aider, c'est gentil. Ah, c'est chier! Allez, allez, allez! Dire ça un jour, mais merci la CGU. Ok, nickel. Merci la CGU, bah. C'est vraiment une magnifique journée, non? Je suis gentil de votre part. On se met en chemin. D'autres vermines arrivent. On doit nettoyer le village avant de pouvoir aider votre convoi. Par là, oui. Ah, mais ils sont combien là? Oh, salut! Ah! Oh bah je vois absolument rien, c'est sûr. Tu fais hyper mal toi. Hop là, voilà, elle est anéantie dans votre tronche. Oh putain, ça, ils ont eu très mal quand même. Hein. Le Boltox est vraiment l'arme la plus puissante, je pense. Elle fait tellement de dégâts. Ouais, il n'y avait pas d'autre arme. Pourtant, si, il me semble. Par où que l'on passe? Ah oui. Je le savais, hein. C'était pour voir si vous suiviez, c'est pour ça.
Ouais, allez, bah c'est fermé. Mais c'est pas fermé parce qu'avec la force de Kate et de son ami monsieur. Voilà donc, quand même. Oh non, mais Oscar il se fait toujours laminer par un écumeur. Oh bah non. On peut contrôler, d'accord, le pouvoir de l'amour. On peut contrôler. Aïe, aïe. Mais je vais vous aider, arrêtez de me tirer dessus. Regardez, je vous aide. Ben voilà, je vous ai aidé. La violence. Mais c'est qui me parle là? D'où tu parles toi? Non! Alors là mon gars. Allez. Bah c'est nul! Allez, mais crevez. Mec, la puissance. Non. Oh non, il est mort. Alors si c'était sa tête qu'on a entendu faire crack. Oscar. Bah, rip. Oh non. Kate. Non. Tu peux pas voir ça. Tu veux pas voir ça. Je suis désolé. Non. Kate. Je suis désolé. Merci, JD. Merci d'être venu ici. C'est normal. Je suis désolé, mais on devrait peut-être évacuer ces gens. Hé, ça peut attendre. Non, Faz a raison, il faut qu'on bouge. Qu'est-ce qui te prend? Oscar est mort, mec. Laisse-lui une minute. Elle aura sa minute dans le faucon. C'est quoi ton problème? Il faut qu'on parte. J'irai nulle part. Pardon? Ça fait des mois que je fais ces rêves. Ces cauchemars. Mais je crois que c'est des messages. Quoi ?
Quelque chose se passe en moi. Ça vient de ta grand-mère. Allez, on verra ça plus tard. Faz, rassemble tout le monde. J'ai besoin d'aide. Il y a un endroit. Vers le nord. Je crois qu'on pourrait y trouver des réponses. Non, non. Ah ! C'est hors de question. On a des ordres. Tu viendrais avec moi. Tous les deux, bordel, ça suffit. Je l'accompagne. Si tu t'absentes, Jean le verra. Ok. Je vais donner les coordonnées à Jack. Non, caporal. On vous ramène à la nouvelle Ephira. Et ça, c'est pas négociable. Alors, capitaine, va te faire foutre. Ça te concerne pas, c'est mon problème. Je dois régler ça. Hé, hey, surveille-la bien. Son collier, c'est un symbole locuste. Ouais, et alors? Elle ne nous trahirait jamais par choix, je le sais. Parce qu'elle mourrait pour nous. Je le sais, ça. Et si ce n'était pas vraiment son choix? Quoi là-dedans? Le meilleur moyen de foutre le camp d'ici. Hey. Si t'as besoin de temps. Non, j'ai de coco. S'il le faut. Ok. Il nous faudrait de la lumière. D'accord. Donc le mec chauve que vous avez vu, c'est JD, le fils de Marcus Fenix. JD Fenix. Normalement, il a des cheveux, donc peut-être qu'il avait une calvitie et que, en assumant pas sa calvitie, bah, il a essayé Micho. Est-ce que nous sommes là pour juger? Non, toujours. Mais en vrai, c'est super classe parce que là, on en fait, oui, c'est qui parlait en fait, ou juste là, votre avis derrière? Je pense moi que c'est l'ancienne reine, vous savez, la reine, l'ancienne reine de Locust, mais elle est censée être morte. Hein. Donc je sais pas du tout. Mais on sait qu'elle peut contrôler comment ça s'appelle? Les locustes en fait, elle peut les contrôler à distance. Elle peut prendre possession d'eux comme si c'était le démon qui te possède. La puissance incarnée, la fille. Et ça, ça annonce que du bon, ça, je le sens, voilà. Ça annonce que du bon. Alors je peux peut-être améliorer Jack, non? On a combien? 17 composants. Ah oui, quand même. Améliorer sa santé, voilà. Blindage d'osium. Turbo furtif. Voilà. C'est un autre petit robot, il a amélioré à fond. Enfin, à fond. Il est un peu plus amélioré, disons, donc. Alors. C'est où on a la lumière. Je ne connais pas, je ne suis pas électricienne non plus. Par contre, vrai de vrai, c'est où? Attends, bah c'est où, non? Logiquement. C'est pas là? Quoi? Bah. Je suis idiot, c'est comment? Allumer les lumières. Ouais. Bah. Bah attendez, non, non, mais je suis idiot, c'est possible. Allumer les lumières. Mais comment? Y a pas d'interrupteur? Bah, moi je dirais que c'est en haut, non? Je suis pas fou. «
Oui, bah alors non. Je vais pas rester planté là quand même, oh. Respectez-moi un petit peu. C'est le marque, non. Bah. Alors celle-là, c'est la meilleure, ça. Donc là, je fais tout, là. Ah, attendez. Bon, c'est pas ça. Est-ce qu'il faut pas que je balance un truc électrique, genre, là-dessus? Ça a l'air ça, hein, mais... Bon. En vrai... Non plus, alors bon. C'est pas que c'est gênant, hein. Un petit peu quand même. C'est humiliant même, je dirais. Bah. Les petits loups. Qu'est-ce que c'est que c'est que quoi? Oh non, c'est là. Allez, on va dire que c'était prévu. Tu sais piloter? Plus ou moins. Une sorte de motoneige du futur. De recherche au nord. New Hope. Ça a l'air cool. Allez, il faut qu'on bouge. Surtout quand t'as une armée de locustes qui t'attend derrière, quoi. Hey, Dan. Ouais, je vois. C'est bien que ce soit. Moi aussi. Oh, il y a une romance qui s'installe entre les deux, c'est cool. Je trouve ça très beau. Ouah, mec, ouah. J'en ai trop marre. Dis-moi qu'on touche au but. Les coordonnées de Marcus indiquent que New Hope avancer. Est dans une vallée par là. On y est presque. Mec, si ça c'est pas classe, vraiment. Dites-moi que c'est pas classe ce genre de truc. C'est impossible, c'est trop. Hop. Hey, ça fait un moment qu'on t'entend plus. Mais... Ça va? La bonne nouvelle, c'est que je commence à maîtriser cet engin. Ça m'occupe, c'est déjà ça. Ah. Ça va aller, t'inquiète. J'ai juste du mal à croire qu'Oncle Oscar nous a quittés. Ouais, comme tu dis. Ouais, c'est triste. Merci d'avoir demandé comment je me sentais, en fait. Merci pour la balade. Pas trop fatigué? Je suis épuisé. Mais easy, regarde. c'est par là-bas. Au fait, allez. Je suis vraiment désolé pour la façon dont JD t'a traité au village. C'est vraiment... Belle. C'est vraiment un enfoiré, non? Hey, stop. Quelle porte, droit devant. Ah. Et en jugé par son état général, ce mur est récent. Construit par la CGU. Alors, bonsoir okay. À tous. Faisons le tour pour essayer d'ouvrir ça. Écoute, JD t'a caché des choses importantes. Mais en quoi je suis différente? Toi, tu nous as confié ton secret. Pas lui. Ouais. Si tu veux. Oui, enfin bon, ta grand-mère, c'est la reine des locustes, hein, mais bon. C'est New Hope? Pas l'ancienne. Non, les coordonnées de Marcus indiquent le nord-est. On n'est plus très loin. Va juste falloir décoincer le skiff. Tu sais ce qui me saoule le plus dans tout ça? Comment on décoince? Depuis quand ça dure? Ça fait des mois que Jean les envoie en mission ensemble. Pourquoi il y a des armes là? Oh là là, attendez. Regarde, Jack a trouvé une carte de la région. Oh, ok, d'accord. Donc nous on vient là. Et il faut qu'on aille là-bas. C'est bon, on y va. Elle est où cette porte?
Un verrou magnétique. Jack va nous ouvrir vite fait. Allez, Jack. Gentil Jack. Attention. Magie. Attention, petit coup d'électricité. Bam, ça se... Voilà, ça se... Oh là là. Allez, c'est parti. C'était bizarrement facile. Allez, c'est bon. Oui, mais c'est jamais ça, non, je... Quand tu penses qu'il y a rien du tout, il y a toujours quelque chose qui arrive derrière les gens. Ça peut servir en cas d'urgence. Exact, oui. Bah attends, tu sais quoi, regarde. Mec, il y avait une mitrailleuse, je vais la prendre direct. Il y avait même pas à discuter. Il y a une énorme... Voilà, et hop. On va la stocker. Maintenant. Hop. Comment on stocke ça? Voilà. Intéressant. On va prendre l'immune. Pas besoin. L'overkill, pas besoin non plus. Ouais, tu sais quoi, il y a que ça à prendre en fait. Allez, on est parti. En route, mauvaise troupe. Donc là, je suppose qu'on doit aller au passage nord-est. Allez. Les enfants, vous me recevez? Marcus, t'es rentré à la nouvelle Ephira? À l'instant. Vous vous rapprochez de New Hope? Presque. Question. Comment on saura qu'on est arrivé? C'est trop bien ça, hein. Il y a quoi là? Ouais, ça doit pas être là à mon avis. En fait, c'est assez bien parce que le véhicule est super maniable. Hein. Ça se voit pas forcément, mais c'est très intuitif. Et en vrai, c'est très fluide. Très très fluide. Allez. Dérapage, ma gueule. Hop là. Ah, en fait, c'est une sorte de semi monde ouvert, c'est vraiment super. Et faire du surf comme ça aussi, du surf, non, de la motoneige comme ça aussi. Kate, on approche de l'objectif. Trouve un endroit où garer cet engin. Sur l'eau. La bonne idée. Pas du tout. Là, t'es sûr? Ouais, ça devrait être quelque part dans ces bois. Attends, un camp d'étrangers. Ça... Aussi loin au nord? Tu crois qu'ils viennent du village d'Oscar? Peut-être. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils venaient du village d'Oscar. Lena et Norsko. Après ce journal, ils se sont réfugiés ici. D'accord. Après la destruction de leur nouveau camp. Et ils se sont fait encore attaquer. On devrait essayer de les retrouver. D'accord. Pour leur dire pour Oscar. Attendez, ils sont où? Nous, on est... Attends, on peut zoomer. D'accord, ok, on peut pas zoomer. Si, il faudrait aller là. En vrai, on y va ou quoi? Allez, on y va. On y va, on perd pas de temps. Ça risque de pas être trop long, j'espère. On va rusher comme jamais. Je m'occupe de la navire. Hop. Ouais. Hop. Allez, c'est parti. Hop, et normalement c'est tout droit, je suppose. Marcus nous a dit de chercher des rails, non? Et ça, c'est un tunnel ferroviaire. Ouais, mais... Et voilà, that is the logic. Trop intelligent que je suis, moi. Quand même beaucoup d'armes. Hein. On voit rien là-dedans. Jack, éclaire-nous. Des trains. Alors on rappelle qu'il peut y avoir potentiellement des locustes. L'opération menée dans le coin, c'est tempête des entrailles. Quand ils ont attaqué les locustes sous terre. Tempête des entrailles. Récupéré dans ces wagons. Tempête des entrailles. Voyons ce qu'il y a dans ce wagon.
Hop. Oh merde! Oh! On a de la compagnie! Transporteur! On a vraiment pas la place à bouger là-dedans! Planquez-vous! Et on recule, on recule, on recule. Allez. Balance-lui de la glace, mais j'ai pas de glace. Attends, attends, attends. Là, prends, prends, prends. Aïe 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 aïe. Mais arrête, je tire dessus. Oh bah oui. J'ai juste cru qu'il allait donner et qu'il allait faire ah oh, j'ouvre mon thorax et tu vas prendre des projectiles. Et en fait il m'a écrasé la gueule. Ah. Bon, c'est pas grave. En vrai, faut quand même l'éclater la tronche, donc je vais y aller. Jack, éclaire-nous. Des trains militaires. La seule opération menée dans le coin, c'est en fait des entrées. Par contre, question, qu'est-ce qu'il fout là, ce méchant? Y'a peut-être du matos à récupérer. Planquez-vous! Oh merde! Del, on a de la compagnie! Transporteur! On va tout balancer comme ça. Je lance une grenade. Rapporte. Allez, prends. De la glace. Oh, attendez. Allez, sulfateur ma gueule. Ça va crever, oui ou pas? Ça, c'est fait. Oh, transporteur abattu. Bon sang. Note pour plus tard. Évitez les tunnels obscurs. Voyons ce qu'il y a dans ce wagon. Ça, vous, y a pas besoin non plus d'en faire mettre dessus pour ça. Une note d'un ingénieur de la CGU. On parle de système de refroidissement de drilles. Bien sûr. Il lançait des drilles depuis les dérives d'assaut, pas loin d'ici. Tu vois, si on trouve des modules de refroidissement, on pourra peut-être en équiper Jack. Pour ajouter un effet de gel à son flash. Je vais te laisser faire. C'est pas idiot ça, mon gars. On n'a rien à voir dans ce tunnel. On a plus qu'à gagner. Tu sais que t'es intelligent. Vas-y, on va prendre ça. On va se barrer d'ici, Del, vite fait. On peut sortir par là. Je vais t'aider. Non, il est gentil quand même, hein. On se moque un peu de lui, mais. Eh bien, c'était intéressant. Quelles sont les chances de cette news? Je dirais qu'elles sont assez élevées. D'accord, ça c'est juste pour marquer. Pas très utile. Alors, on va juste aller à la New Hope. Ah, attendez. Ah! Attention. Allez, c'est parti. On va y aller, puis après, on va peut-être se laisser là-dessus. Je sais pas trop encore, je sais pas où on a combien. Ouais, on a pas mal. Hein. En vrai, ouais, il y a peut-être moyen. Comme je vous avais dit, c'est des épisodes assez longs. C'est du brut, hein. Il n'y a pas beaucoup de montage, comme vous pouvez le voir. En espérant que ce contenu vous plaise quand même, parce que bon, c'est un peu ça le but primaire, disons. Bon. On va rusher. Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Voilà New Hope. Del, par ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, d'accord. Elle était pas sûre, hein. Je saute pas. Je suis un peu timide, quoi. Marcus, il n'y a pas d'installation ici. C'est juste une forêt vierge. Fais-moi confiance, elle est là. Jean est au courant de l'existence de cet endroit? Comme tous les premiers ministres. Ils ont tous fait la même chose. Poster des gardes et essayer de garder le secret. Le secret, hein? C'était la mode à l'époque. Dites-moi quand vous approcherez. Contrôle terminé. Pourquoi il y a des cristaux? La tempête se rapproche. Oh, super. Il en a rien à foutre. Encore un scellé de la CGU. On est au bon endroit. Par ici. Ah, pardon. Pas pour toi. Qui pourrait te faire confiance? Mais non, c'est la voix de la reine qu'elle entend, là, c'est sûr. Ok. C'est sûr, c'est la voix de la reine. Elle est morte, normalement, pourquoi? Belle. D'Écosse. Oh, ouais, 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 ouais. T'es seul à jamais être venu ici. Quelque chose devant! Allons voir ça! Allez, on y va. Ouh là là, il y a du vent. Ouh là là! Bon, on y est! Mais l'entrée est bloquée! Il faut qu'on trouve un autre accès! Par là-bas, par là-bas. Par ici! Oh, oh. Attention! Chute de glace! What? Il y a des cristaux de la mort? Marcus, on se prend des sales tics dans la gueule, est-ce qu'on pourra te parler après? Allez, par ici. C'est pas comme si c'était un peu chaud, quoi. Kate, regarde! Le centre de recherche! Là, devant! Enfant, vite! Attention! Oh, la vache. Le dieu. Il va être beau aussi, non? Je me suis fait buter par mon propre truc, c'est super, j'adore ma vie. Franchement, même pas. Oh là là, sérieusement, quoi. D'accord, yes. Prends le Harvey! Planquez-vous! Le Harvey? Ah, revers. Planquez-vous! Faut que j'arrête avec les grenades, ça sert à rien. Arrêtez, espèce de... On va crever, toi. Allez, hop, ça c'est fait. Alors, va à l'intérieur. Ok, ça, je vais prendre ça avec moi. C'est plus utile, là, on sait pas. Ah bah non, bah non. Ça servait à rien. Mais attends, il y a le fusil triple dehors, attends. Ah bah si, elle l'a pris. Ouais, on est à l'intérieur. Dans le bâtiment principal, je crois. Bam.
aperçu. On te dira quand on l'aura trouvé. Pardon, excusez-moi. Petit reniflement de nez qui fait plaisir. Del, j'ai trouvé un passage ici. Est-ce qu'elle va regarder, genre, à la main le fusil triple? Enfin, le fusil triple, non, le... La mitrailleuse triple. Bah oui, avec la force qu'elle a d'un bras, quoi. Ouais, même moi, j'ai pas ça. Ça va aller. Enfin, je crois. Marcus, on a trouvé le couloir. Et la porte. Elle est très violente, je trouve, comme ça. On dirait que quelqu'un... Les figures d'autorité. Ah, ouais. C'était moi, en fait. Je l'ai oublié. Et maintenant? Bon, essayez de trouver un... Le panneau LED qui prend. Le labo est rempli. Il perd tout seul. Vous pouvez pas le rater. Des cuves de stase. Ça marche. Où ça court? C'est quoi ça? Allez, je vais continuer le jeu. Ok, je crois qu'on a un problème. Ouais, c'est confirmé. On a un problème. Une vigie! Vigie ou pas, je sais pas. Bon bah voilà la vigie, ça fait ses plaisirs. Qu'est-ce qu'une putain de vigie fout ici? S'il y a une vigie, c'est que la vermine a de grands projets pour cet endroit. Oh merde. Ah bah non. On trouve ce qu'on est venu chercher et on se casse d'ici. Bah tu sais quoi? On va prendre la vigie, on va éclater des gens. Enfin là, on va prendre la masse, on va éclater des gens. Parce que j'adore éclater des gens. Pas vous? Allez, on va progresser dans ce truc. Allez. C'est pas très halal. Voyons où ça nous mène. Que d'humour. Tu peux le bip-bip? Jack, est-ce que Jack peut bip-bip? Mais oui mon gars, mais oui c'est bip-bip, mais qu'est-ce que tu veux? On rappelle que c'est Jack, le meilleur ami des animaux. Pas du tout. Où est-ce que... Par où qu'on va? D'accord. Par là, je suppose. Ah non, j'y viens de là, je suis... Bah non, c'est par là. Faut juste que j'éclate un truc, je suppose. Ouais, ça, je... J'en ai eu un. Yes. Des rochecons partout. Voilà les rochecons. Si la masse est trop puissante. Allez hop. Bon bah voilà, comment nettoyer rapidement et efficacement un lit. Éclatez-les à coups de masse dans la gueule. Pratique. Ah, je pense pas que c'était là en fait. Merde, Del, des rejetons. Oh non, mais c'est chiant ça. Regardez, regardez, regardez. Genius. Mais par contre, il y en a combien là? Donc, tu veux vous les prendre, vous les prendre. Waouh, d'accord, d'accord. Il y avait un peu de monde là quand même. Quelle heure se fait-il? Ouais. Allez. On va finir ça. Et à la prochaine cinématique, bah on bougera, on arrêtera pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et on reprendra. Bon, ça tue ça. Vous imaginez, c'est là où les devbots ont été créés. Oh, c'est impossible.
savez comment régler ce problème? Ah bah ça règle pas comme ça du coup. Voilà comment on règle les problèmes. Un coup de grenade dans la gueule. Oh. Hop. Je peux pas passer là, moi. Comment tu veux que... Ah oui. Comment tu veux que je passe là? Bon, je vais vous expliquer quelque chose, les petits loups. En fait, j'en ai marre. D'accord. Un peu ras le cul de vous là. Pas la bonne idée non plus. Voilà, comme ça ça calme tout le monde. Tout le monde il est content, tout le monde il est la joie. Oh ben non mais ça va être... Oh allez, je suis pas obligé. C'est désactif, okay, ça carrément. Mais fais gaffe, il y a d'autres fuites de gaz par ici. Comme si on cherchait à nous éloigner. Mais non. Ah Del, le couloir. Je vais crever, on en parle. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trucs? C'est incroyable, il y a tellement de choses. Là, la CGU a fait tellement de conneries, c'est incroyable. Les saletés. Je suis là. Non. Oh la vache. Casse-toi, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est bon, on va l'éclater. Non, survie mon grand. Ah, attends, il y a pas... Attention. Allez, hop. Bien, allez. Ah, pas bon. Je vais mourir, je vais mourir. C'est incroyable, mais c'est chiant ce truc. Elle est morte? C'était simple, hein, vraiment. J'ai pas passé 6 heures dessus. Pas du tout. Quelle idée. Ouais, allons-y. Hop, on récupère tout ça. Normalement, elle est bientôt arrivée, logiquement. Oh merde, c'est coincé. Del, aide-moi à pousser ça. Allez, pousse-moi tout ça, Del. C'était super agréable.
Jack, éclaire-nous. Hey, les enfants, comment ça va? Super timing, Marcus. Ni labo, ni cuve de stase, mais on est dans une sorte de cellule de prison. Une prison? Dans ce cas, vous voyez des trucs que j'ai jamais vus. Où est-ce que j'ai entendu? Nice, Samson. Le chercheur qui dirigeait cet endroit faisait des expériences sur les enfants des mineurs emprisonnés par l'exécution. Il a emprisonné des enfants et fait des expériences dessus? Je vous avais dit que vous découvriez des trucs. Vous allez pouvoir lui demander. Attends, quoi? Il est encore en vie? Il s'est préservé sous forme d'IA. Trouvez le labo et vous trouverez Nice. C'est quoi ça? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que président de la collation de la CGU, quoi. La CGU savait ce que faisait ce Knives. Ils ont fini par l'arrêter, mais c'est à cause de ce genre de choses que j'ai jamais fait confiance à la CGU. Même quand ma femme la dirigeait. Oui, oui, sa femme, oui, ça. Hop. Analyse de patient. Attendez, alors ça c'est les enfants. Avant de devenir mutique, le patient se plaignait fréquemment de douleurs pulmonaires et articulaires. Violente méga. Entraîne un stress cellulaire important et immédiat, mais. Et on a une mutation. D'accord. Parce qu'on... Oui, on rappelle que les locustes à l'origine c'était des humains. Qui en fait de base étaient des humains qui travaillaient dans une mine où il y avait une substance qui s'appelait l'émulsion. L'émulsion, donc il y avait des mineurs qui s'occupaient d'exploiter l'émulsion, sauf qu'ils ont commencé à muter parce que l'émulsion c'est pas que de la ressource comme du pétrole ou quoi que ce soit, c'est de la matière organique, genre c'est vivant. Et au bout d'un moment ça a commencé à infecter tout le monde et ils ont fait des expériences sur les enfants des mineurs qui avaient subi des mutations, et c'est ces mêmes enfants qui sont après devenus des locustes. Donc certains mouraient de l'émulsion, mais d'autres, comme là on a vu, ils avaient des mutations qui étaient bénéfiques pour eux, et puis bah ils sont transformés en fait. Apparemment, Niles avait un cobaye préféré. Oh, oh c'est... What? Oh, putain. Ça c'est glauque, vrai de vrai, c'est hyper glauque. Une salle de service. Ah, il tout. Ah, ces pièces, attends, tout ça me dégoûte. C'est ignoble. Oh, c'est affreux, mec. Marcus, c'était qui ce Niles? Qu'est-ce qu'il faisait exactement? J'étais pas dans la confidence. Ah, attendez, on a un dossier. J'avais quelque chose à voir. Ah, attendez. Analyse de patient. EV 800 a été exposé à des niveaux d'émission reconnus jusqu'ici comme fatal. Pourtant, il ne présente pas le moindre signe de dégradation cellulaire. C'est même plutôt le contraire. On a décidé de la placer en isolement et sous étroite surveillance. 26 heures sur 26. D'accord. Tout en continuant, lui administrer une dose quotidienne d'émulsion concentrée. Ah ouais, donc en fait, il faisait exprès de les infecter. What? D'accord, lui donner de l'émulsion comme si c'était son 4 heures, quoi. What? Et c'est très glauque, hein. On a trouvé le labo. Bien, mais ne touchez surtout pas à ces cuves. Pourquoi? Y a quoi là-dedans? C'est le résultat du travail enragé de Nice. Ils s'appellent les Sires. La dernière fois que j'en ai croisé, ils étaient, comment dire, mal lunés. Mal lunés. Super. Trouvez Nice. Il doit pas être loin. Bon, vous savez quoi, on va s'arrêter ici, juste là, au pile à cet endroit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça va faire un petit bout de temps, et même pour vous, après, c'est un peu long. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti dans l'espace des commentaires, à mettre également un pouce bleu, à vous abonner, à partager ça autour de vous, si vous en sentez l'utilité. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée. Prenez soin de vous, on se retrouve pour un prochain live ou un prochain épisode. Sur ce, c'était le Hibou pour vous servir. Allez, ciao.